vois derrière moi, il y a pas mal d'étudiants parce que nous sommes exactement environ 16h. Dans l'école finie, on a environ 15h30. Et comme il y a une sorte à côté, le lycée de Paladé, dans les étudiants que vous voyez là, en fait, ils viennent de là-bas. Ils ont la tenue orange et bleue. Nous, on va traverser, on va prendre un taxi. On va se rendre de là de l'eau. Parce qu'Eric Loa, il a un village, il le tient qu'il a hérité de ses parents. Et la construction est vraiment magnifique. Vous pouvez voir la page sur Facebook, Village Nera. C'est vraiment un lieu touristique très beau avec piscine, habitation en bambou. Très bien. On va aller un peu voir, on peut renseigner un peu sur les modalités de réservation, si on peut faire un séjour là-bas. Donc on vous montrera les vidéos une fois qu'on sera là-bas. Tout à l'heure. Là, nous sommes au village Noah. On va aller visiter un peu. Alors, je ne sais pas. Je pense que ça doit être par là. Donc, le village Noah, en fait, c'est vraiment un lieu touristique. Voilà, donc là, nous partons au village Noah. On va voir un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. J'ai quand même vu quelques images sur les réseaux, ça allait très très bien. Donc je fais la visite guidée pour vous. Et voilà, savourez le moment en tout cas. Donc là c'est la place Yannick Noah. Je pense que là c'est son fils. Donc là, nous sommes au village Noah. Bonjour. Salut. On aimerait avoir des renseignements sur le village Noah. C'est vrai, ça dit? Ouais. Donc là, c'est le village Noah qui est très spacieux. On va faire une petite visite des lieux. On va nous présenter un peu les différentes suites ou bungalows disponibles. Je fais votre promotion. Hein. Je vous fais la pub. Ah, d'accord. Donc là, c'est le terrain de basket. La piscine. Ok. Ah, la fameuse boutique Coq Sportif. Original en fait. Ah, top, 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 top. Oh, je voulais le moyen de Lyon. Donc là, c'est la boutique Le Coq Sportif. Quel privilège, hein. Là, c'est pas le faux. Ici, tout ce qui est là, c'est le vrai. Donc, ça, c'est la boutique Le Coq Sportif. Là, on a la piscine. Il y a des gens qui sont en train de profiter, voilà. Donc là, on va regarder un peu la boutique. J'espère trouver le maillot de Lyon. Donc là, c'est la boutique de la maison Le Coq Sportif. Je pense que tout ce qui est ici, c'est original en fait. C'est original, non? Il y a un nom derrière, pas de nom. Donc ceux qui veulent les maillots originaux là, voici l'adresse. Ah oui, c'est ça. Tout ce qui concerne le sport.
Donc là, c'est le village, non, la réception. Wow. Bien sûr, avec les trophées, les énigmes, non, c'est single d'or. Wow, c'est juste magnifique. Du village qui sont disponibles, et bien sûr Flop et Cameroun. Donc ça, c'est l'extérieur de la réception. Continuons l'exploration du village. Ah là, ce sont les bungalows simples, c'est ça? C'est vraiment du genre artisanal. Hein? Hein? Ah bon? Hein? Donc voilà, on est sur le point de partir. Tout le monde a vibré avec les lions. Hein. Seulement qu'on n'a pas gagné. Vraiment. Donc on a fait le tour déjà. Là, on est en train de rentrer. Je pense qu'on va retourner à la maison calmement. Ils sont situés au niveau du quartier Tongolo. Il y a une école primaire juste là. Et voilà. C'est un lieu vraiment très 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 chic. Hein. C'est un lieu vraiment assez chic. Comme on dit ici, c'est un lieu de bobo. Parce que même l'école, c'est une école qui date de très longtemps. Je me rappelle quand j'étais encore au pays, il y avait cette école en fait. Il y avait même une camarade qui faisait partie de la famille Yannick Noir, qui le connaissait. Donc c'est un peu ça. En face du village, on a une compagnie de voyage. Pour ceux qui veulent louer, aller au village. National, il y a Maryland juste en bas, voilà. Donc nous, on va essayer de rentrer. Je pense qu'on va monter et on va prendre un taxi pour la maison. Donc on se dit à bientôt, bye.